Allô, je m'appelle Benoît Aumont Lefrançois. Petit Ben, Monsieur la chose, Chantal Lachat, Chantal Lachat, Chantal Lassoive et Richard Labrosse. Ça, c'est tous mes noms. Je suis percussionniste des 8 Babins et oui, tapeur de Beden et fou du roi de Hugo. Salut! 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 Ben Simon! Simon Étienne, autrement dit, Étienne! Autrement dit, le sportif. Je viens pas de Laval. Alors, moi, je suis Vincent Paquette Ravary. Puis je fais le rôle de batteur dans le groupe. Et c'est moi qui hydrate tout le monde aussi. Faut tout qu'on se garde bien hydraté dans le band. Moi, c'est Pocahontas. Et ça, c'est Jane, c'est la chanteuse du band. Moi, je suis le saxophoniste. Hugo, Git, voix. Jérémy, t'es posé au sexe à pire puis au café le matin, ça dépend des jours. Je le tord des fois, une fois de temps en temps. Non, il est de sexe à pire, ça va pas tout le temps, mais il est là, t'sais. Y'a pas rien que du vice. Pis c'est plus le temps, on veut perdre son temps. Pareil que des délires qui peuvent nous tuer le lendemain. Mais Raoul, tu déboules, si tu vas leur prendre. Faudrait peut-être que t'apprennes à marcher avant de penser à crever. Faudrait peut-être que tu fasses un homme de tuer. Et t'as qu'à rester cool, Raoul, pendant que les saisons des boules. Mais qu'à choisir ta foule, t'as rien qu'à rester cool, Raoul. T'as qu'à foncer, Raoul, quand tu sens que ça coule. Quand tu sais que ça roule, t'as rien qu'à rester cool, Raoul. Les 8 babins parce que quand on était adolescent on tripait sur le chiffre 8. Ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être fish and chips, ça aurait pu être un mot, un verbe, c'était une fixation sur le 8 en particulier. Ouais, c'était sain, tu sais, quand même. C'était sain. Puis babin, écoute, je pourrais pas te dire, j'essaie de me rappeler des fois l'essence de babin. Il me semble qu'un show quand on faisait des hommages à Megadeth. J'avais dit comme je suis babin parce que je sais pas, je trouve ça drôle de dire ça. Donc c'est comme pas d'alique. Puis je sais pas, un moment donné, je pense que je voulais que ce soit le nom d'un de mes chiens. Puis ben finalement ça finit le nom d'un de mes bêtes. Parce qu'il n'y a pas d'un. Ouais, parce que même au début, on était deux, moi puis Hugo, qu'on s'appelait les 8 babins. Mmh. Lui, c'est mon frère, tu sais. Puis au début, tu sais, lui, il voulait jouer dans un band avec moi. Puis moi, je voulais pas parce qu'il était pas cher. Puis en plus, tu sais, à cet âge-là, tu sais, ton petit frère, tu sais. C'est ton père ennemi. Gosse, tu serais même pas avec un bâton. Puis lui, il voulait jouer avec des bâtons.
Fait que finalement, il est devenu bon à un moment donné. J'avais donné un setlist, style Slipknot, Pantera, à part tout ça. Ils ont tout appelé. Ça s'est bien fait. Puis je sais pas, à un moment donné, moi j'écrivais, je faisais de la. J'étais triple de musique anglais, style metal pis tout. Puis j'ai fait une couple de trip à un moment donné adolescent. Puis je suis ressorti que j'avais vraiment trippé sur le blues finalement. Puis je sais pas, à un moment donné, j'allais à l'école pour adultes, puis je m'emmerdais un peu dans mes cours. Puis je me suis mis, c'était la première fois que je me suis mis à écrire en français. Puis ça a pas été comme, j'ai pas fait un choix comme bon là, je me mets à écrire en français, je vais me partir à un band. Ça a juste ça a coulé, je sais pas, de fil en aiguille, ça a fini que j'avais une couple de tunes. Au début, je suis en parlais avec Ben, lui accroché, il aimait ça. Après ça, mon frère, c'est pourquoi pas, puis on a starté de quoi, puis suite à Saint-Jérôme, quand on était même 2-3, on a fait des petits shows, des cafés de rue, puis ça avait pogné, fait qu'on a décidé de continuer. Tout ça, c'était le fun. Pis, oh yeah, baby! 4 ans plus tard, ben. Tout ça. On est à notre troisième tournée en Gaspésie. Allez, on claque des doigts. Mon influence à moi, ça varie beaucoup. Je veux dire, je trippe sur le jazz, je trippe sur le country. Bon, ok, on va le dire. J'aime vraiment ça, le country. Mais ça vient un peu partout, le R&B. Tout ce que t'entends qui t'accroche, tu pognes un trip, une situation là-dessus à un moment donné, puis t'essaies d'intégrer ce que tu peux dedans. T'sais. En tout cas, pour moi, c'est ça. Voilà, mais succès de moi. Oui, c'est le goddamn blues, baby. C'est le blues. C'est le blues. Moi, c'est pas mal tout, sauf que... Kennedy surtout, hein? Céline Dion. Céline Dion, hein? Céline Dion qui m'a fait beaucoup. Beau dommage. C'est la parler. C'est la parler. C'est la parler. C'est la parler. Ouais. Oh, c'est bien chapeau. Oh, c'est fun. Merci, Karine. Moi, en fait, au début, j'ai appris à jouer du drum. Faut jouer avec mon frère, fait que j'ai commencé par apprendre. Non, c'est ça, fait que j'ai commencé par apprendre du Megadeth, du Slipknot, puis du Pandora, puis du Nirvana. Là, comme tout le monde, genre. Ouais, c'est ça, ça. L'affaire, c'est qu'on n'a pas dit nos premières. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, mais je dis le blues, mais en premier, moi, c'était Megadeth. Sauf que, tu sais, je pourrais dire, moi, j'ai fait mon deck en jazz, en drum, puis là, j'étais à l'Université de Montréal en jazz, puis je pourrais dire que je suis pas mal là-dedans. T'sais, autant toutes les musiques du monde, les. La musique classique et le jazz m'a beaucoup influencé, je pense, dans mon cheminement. Ouais, puis j'ai la peau douce en plus. C'est vrai, ta corps est belle, mais c'est que la vraiment... que tu fais. Vas-y, Étienne. J'ai écouté bien du reggae, tout ce qui est reggae roots, dub. J'ai écouté pas mal de la musique classique aussi, là, dans la musique baroque. Dark, en gros, c'est ça, mais c'est sûr que je suis influencé par à peu près n'importe quel style de musique qui existe, mais principalement, c'est sûr. Petit Benoît. Petit Benoît. Allô?
Coucou les coucous, comme dirait Bruno Blanchet. Mes influences seront mon grand-père quand j'avais 4 ans. Il m'a appris à jouer la cuillère. Et ça, c'est pour de vrai. Arrête de rire, toi. Moi j'ai commencé par arriver, je t'ai vu à la face, j'ai fait tout de suite comme genre, c'est un bon Jack. T'as une face, j'aurais le goût de t'amener des petits becs dans le cou, tu sais. Non mais j'ai trouvé tout de suite sympathique, puis je suis rentré dans la plage, je fais what the fuck, c'était cœur. C'est impressionnant pour vrai. Puis je me suis senti même, c'est bien rare, ben c'est bien rare. Je veux dire, ça arrive rarement comme que je suis un peu nerveux avant un spectacle. Mais je sais pas la salle, comment elle est faite. C'est comme une vraie salle de spectacle impressionnante. Ouais, j'avais un petit stress, comme vraiment, genre, je lui donnais un good show. Ouais, ce que je trouvais drôle, c'est que quand on me dit, ah, oh, on va jouer à Mont-Louis, tu sais, nous autres, on vient de loin, il fait, ah, où c'est qu'on joue à Mont-Louis, tu sais pas. Et je dis, ah, ça doit être un petit bar ou quelque chose, tu sais. Puis finalement, t'arrives ici, puis là, tu rentres, puis tu fais comme, wow. Wow, shit, ouais. Tu sais, les murs, c'est beau, le stage est grand, ça sonne bien. Tu trouves ça drôle, aussi. Ben là, c'est drôle, parce que j'avais même pas eu une place à jouer à Mont-Louis, tu sais, je pensais que c'était compliqué. En fait, moi j'étais vraiment juste content pour la poutine aux crevettes au snack bar. Ah, c'est vrai,